j'ai pris le temps de vérifier, de lire et puis d'apporter quelque chose pour nous fortifier dans la foi et puis nous montrer la toute-puissance de Christ à travers la parole. Amen. Amen. Mais il est vrai que les diables travaillent. Et j'aimerais établir cette vérité avant de commencer la prédication. C'est que lorsqu'on parle des choses de démons, bien de la sorcellerie, des choses comme ça, on veut faire croire aux gens que nous avons un problème dans la tête. Pourtant, nous sommes très équilibrés. Nous sommes très bien, nous sommes même équilibrés, réfléchis. Et nous sommes encore plus spirituels. Donc nous n'allons pas dans l'extrême. Nous sommes même au milieu. On dit aussi que lorsqu'on prêche sur la parole, les sorciers, les démons, la délivrance, et que vous voyez les démons partout, il ne faut pas en parler. Non, ça c'est parmi les œuvres du diable que nous allons détruire ici. Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais parler des démons, on va parler des sorciers, on parlera aussi des anges. Amen. Donc, parler des sorciers vous avise et vous donne la possibilité de détecter les œuvres du diable dans votre famille, Amen. Dans votre milieu de vie, pour vous permettre de réussir vos vies. Amen. Donc le soir, lorsqu'on va parler, maintenant là, on va étudier dans Genèse chapitre 6. On va étudier Genèse chapitre 6, les anges qui ont quitté le ciel pour descendre sur la terre. Comment est-ce qu'ils ont commencé à travailler? Je vais me mettre à expliquer ces anges, ce qu'ils ont causé dans le monde. Maintenant, on va aller plus loin le soir. Là, je vais parler maintenant de la compréhension des activités sataniques ou sorcelleriques ou de la sorcellerie. Amen. Amen. Donc, on va lire dans Deutéronome chapitre 19, verset 9. Deutéronome 19, verset 9. Si vous avez vos Bibles, on va lire nous tous. Deutéronome 19, verset 9. J'aimerais que nous puissions lire nous tous ensemble. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, des magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les défunts. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu dit que ces nations-là écoutent les astrologues, les défunts. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Pourquoi ici Dieu donne cette directive? D'abord, nous sommes dans le contexte d'Israël qui quitte l'Égypte. Israël qui a vécu dans l'Égypte sous l'influence maléfique. Où, vous savez, l'Égypte était aussi la source même de l'occultisme, de la magie, des forces des ténèbres. Et c'est en Égypte, si vous voyez, si vous étudiez même les tombes de Pharaon, vous allez voir qu'il y a toujours... Il y a plusieurs éléments, je ne voudrais pas trop expliquer ça. Mais vous allez voir, il y a toujours les chiffres 7, il y a toujours 7 représentations, des images qui ne sont pas là pour rien, qui sont là pour des objectifs bien clairs et bien précis. Et même la construction des pyramides, vous allez voir, c'est toujours inspiré de plusieurs façons, inspiré sataniquement ou démoniaquement. L'Égypte, c'est le berceau même des mondes des ténèbres, des forces occultes. Alors, Israël était en Égypte. Israël a vécu au milieu de ces gens où il y avait l'occultisme. On parle, d'autres pensent que l'Égypte serait même la source, n'est-ce pas, de le franc-maçon, ou bien des forces des ténèbres, dans ce sens-là. Donc, l'Égypte, c'était le berceau des activités maléfiques. Quand même, Dieu va dire à Moïse. Dieu va dire à Moïse de jeter le bâton sur la terre et le bâton va se transformer en serpent. Parce que Dieu savait qu'il y avait des forces d'opposition dans ce pays. La libération de son peuple ne prenait pas seulement d'envoyer un messager pour dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il n'allait pas le faire. Ça prenait la puissance d'en haut et que cette puissance se manifeste
pour que le diable ou Pharaon, qui était représenté par Pharaon, qu'il laisse aller le peuple de Dieu. Amen. Maintenant, de nos jours, nous voulons, dans l'église de Dieu, libérer les gens juste par la parole. Amen. Nous ne voulons pas démontrer la puissance de l'esprit. Or, l'apôtre Paul va dire, mon message ne repose pas sur des discours persuasifs concernant la sagesse humaine, mais c'est la démonstration de la puissance et de l'esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi Paul est en train de dire ça? Parce qu'à l'époque de Paul, alors que c'était l'époque de la philosophie, la philosophie avait atteint son apogée. Donc, à cette époque, et même à l'époque, les prédécesseurs de Jésus, même à l'époque de Jésus-Christ, la philosophie avait atteint un niveau très élevé, de telle sorte que la philosophie influençait l'art des discours, primait tellement, les gens voulaient les discours. Et vous allez vous rendre compte, si vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, vous allez voir, ça va poser un problème entre Paul et Apollos. Parce qu'Apollos parlait très bien, il était très éloquent. Et les gens, dans cette époque, aimaient les théâtres, aimaient les activités de discours. Mais Paul va dire, mon message ne repose pas sur des discours persuasifs concernant la sagesse humaine. Ça ne repose pas comme ces gens qui sont dans le monde parlent. Moi, c'est la démonstration de la puissance et de l'esprit. Donc, Paul est en train de mettre une différence entre un prédicateur de l'évangile de Christ et un poète de son temps. Il met une différence. Pourquoi? Qu'est-ce qui mettrait la différence? C'est la puissance. Une prédication sans la puissance, c'est une poésie, je ne sais pas moi, de ces gens de ce monde. Donc ça ne produira aucun résultat. Vous pouvez écouter 10 prédications, mais s'il n'y a pas la puissance dans ces prédications, il n'y aura rien. Donc vous allez recevoir des prédications, vous écoutez des prédications, ça vous sature un tout petit peu, vous retournez à la maison avec le même problème, avec le même démon, avec la même sorcellerie qui vous régente, qui vous surveille, qui vous contrôle, qui vous domine. Amen. Mais dans cette semaine, ta vie doit changer. Amen. Tu seras équipé pour détruire les œuvres du diable. Et toi-même, quand tu te réveilles, tu commences à dire, ça c'est démoniaque, ça c'est du Dieu, ça c'est démoniaque, je commence à l'attaquer au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons te communiquer la foi et non la peur. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette vérité, je suis en train d'en parler parce que nous avons vécu les activités du diable au quotidien dans ma famille. J'ai l'expérience. Si tu me parles que la sorcellerie n'existe pas, je vais me moquer de toi. Amen. Je comprendrai que c'est toi qui es envoûté et bloqué. Amen. Même si tu prêches la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout pasteur qui parle de la parole de Dieu et qui s'oppose à ce que nous sommes en train de dire, le message, vous pouvez comprendre sa suite. Soit il a un problème spirituel, soit lui-même il n'était pas délivré avant qu'il commence à prêcher. Amen. Et puis vérifier même comment est-ce qu'il est devenu pasteur. Amen. Vous voyez? Ça dépend du parcours de la personne. Ça dépend de l'histoire de la vie. Les pararamas, kararamas. Les œuvres du diable vont être démasquées cette semaine. Et je vous assure que le Seigneur va faire du bien. Ici maintenant, on nous dit, lorsque tu seras entré dans le pays, Dieu est en train de dire à Moïse, le pays où vous allez, c'est un pays que j'ai réservé pour vous. Mais les Cananéens qui habitaient ce pays-là ont pratiqué des activités maléfiques. Mais là, comme ils ont pratiqué des activités maléfiques, ils tombent sous la sanction, ils perdent le pays. D'où vous, avant d'entrer dans ce pays, vous devez maintenant vous débarrasser de l'Égypte parce que je vous ai sorti de l'Égypte. Il faut arrêter avec l'Égypte. Maintenant, Dieu les amène dans un chemin très long pour qu'ils arrêtent avec l'Égypte parce que l'Égypte était tellement dans leur vie. Ils étaient tellement dans l'Égypte. Ils soignaient les blessures par l'Égypte. La mentalité égyptienne. Et vous allez voir, c'est dans les desserts qu'ils vont apprendre la notion de l'hygiène. Dieu va dire, si la nourriture passe la nuit, le lendemain, ça sera infecté. Donc, n'utilisez plus la casserole, jetez ça. Dieu va donner des principes de vie. Donc Dieu va commencer à enseigner Israël, même s'il gère la propriété. Pour que l'Israël soit dans la propriété totale. Amen. Dieu va commencer à prendre l'Israël, le moindre détail que je ne pourrais pas traiter maintenant. Mais dans Exode, vous allez voir, Dieu va enseigner à Israël comment vivre dans la société. Comment il va donner des lois pour différencier Israël des autres peuples. Les 10 commandements, c'était donné pour différencier Israël des autres nations. Parce qu'en sortant de l'Égypte, les autres peuples qui étaient à l'extérieur avaient plusieurs divinités. Mais Israël n'avait qu'un seul Dieu.
Alors maintenant, dans les autres peuples, ils croyaient que plusieurs divinités, c'était la force. Or, Dieu voulait montrer à Israël que vous, vous n'aurez qu'un seul Dieu devant vous. Et le seul Dieu est le tout-puissant et le créateur. C'est lui qui contrôle toutes choses sauf rien. Amen. Il n'a pas besoin qu'on fasse sur terre des représentations de lui. Il a dit, vous n'aurez rien d'autre que mon nom. Amen. Amen. Maintenant, Israël sort d'Égypte. Il marche dans son chemin. Israël va rencontrer des combats pour entrer dans Canaan. Les Amalécites, tout le peuple vont commencer à se dresser devant Israël pour les combattre, pour les empêcher. Le problème de la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est quelque chose, c'est un domaine où on essaie de contrôler les gens, on essaie de dominer les gens. C'est le domaine du pouvoir, de l'information. Les sorciers aiment transmettre quelque chose ou la sorcellerie à travers la nourriture, à travers la boisson, afin que ça se mélange par le sang. Ils aiment transférer la sorcellerie même à travers la sexualité. Un jour, rapidement, je vais donner cet exemple. J'ai parlé avec une fille, ça fait longtemps, parce que les gens, lorsqu'on parle de la sorcellerie, ils pensent qu'on a commencé au Canada. Je vais donner l'exemple de l'Afrique. Mais là, j'ai parlé avec cette fille, c'est en 94, hein, 94 pour les gens du Congo. Alors, en 94, je parlais avec cette sœur, et puis elle était sorcière. Pendant qu'on l'a. Je conversais avec elle, je pose la question. Si vous voulez manger avec des gens, la personne murmure, vous ne savez pas de quoi la personne parle, ne dites pas amen. On dit amen par rapport à ce qu'on a entendu et compris. Amen. Faut pas dire amen. Amen par rapport à quoi? Amen. C'est-à-dire, la personne fait des incantations. Même dans les sons, les sorciers fonctionnent même dans les sons. Dans les sons, par des murmures. Vous pouvez les négliger, mais ce sont les sons qui donnent un message et qui invoquent, ou même des incantations. Ils n'ont pas besoin de dire des choses que vous comprenez. Ils font des choses bizarres, ils récitent des choses comme ça. Ils font des choses comme ça, dans le calme. Ils peuvent être là, mais en train de les dire. Ils peuvent répéter un seul mot, 10 fois, 100 fois. Murmurer les mots. Juste pour vous envoûter. Murmurer une phrase juste pour vous contrôler. Mais si toi maintenant tu n'es pas un homme avisé, tu es trop sentimental. Et on a dit qu'on mange mangeant. Parce que tu as vu la viande. J'aimerais vous dire une chose. Si vous aimez jusqu'aujourd'hui la nourriture plus que votre vie, vous n'aurez pas un long moment sur la terre. À partir d'aujourd'hui, même si tu aimes les tilapia, si tu aimes les saumons, si tu aimes le poulet, si tu aimes, je sais pas, la viande de porc ou bien la viande de vache, peu importe ce que tu aimes, déconnecte-toi d'abord de ça. Ne fonctionne plus seulement quand tu aimes ça. Parce que quand je vois ça, je n'arrive plus à me contrôler. Contrôle-toi à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Avant de tout manger, prie. Ça, c'est pas un message de la peur, c'est le message de la vigilance. Amen. Amen. Maintenant, vous savez, maintenant, comme le diable est en train de manipuler les gens, et il a même ses serviteurs. C'est ça les dangers de l'église. Hein. C'est lorsque l'église élève des gens parce qu'ils portent des vestes. Vous voyez, vous allez voir un frère de l'église, il vient tout le temps en veste. Ouais, les pasteurs disent, ses frères, il peut devenir serviteur de Dieu. Oh, il devient serviteur de Dieu parce qu'il porte le costume ou bien parce qu'il a la paix. Est-ce que vous avez vu les critères d'être éligible, d'éligibilité? Est-ce qu'il remplit les critères de son étude que l'apôtre Paul a donné dans le livre de Timothée? Est-ce que la personne est digne d'être serviteur de Dieu dans l'église? Amen. On fait des choses par sentiment. On élève des gens, on donne des responsabilités. Un grand sorcier la nuit. Amen. Et maintenant, il commence à presser le peuple de Dieu. Et ça, pour qui Jésus est allé à la croix, vous donnez l'opportunité à un sorcier d'ensorceler toute l'église. Il passe à l'église, il prêche. Je vais vous démontrer que les sorciers utilisent même la Bible pour opérer. C'est pour ça que la sorcellerie, c'est la dimension de se cacher, de se camoufler. Il y a des gens qui sont en train de prier même qu'on meure, qu'on connaisse ces accidents ces jours-ci. Donc on couvre à terre, on ne va pas connaître les accidents. Au nom de Jésus-Christ, nous allons parler de ce qu'on parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont en train d'intercéder, de gêner.
chrétiens, nous ne sommes pas gênés. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas qu'on détecte leurs activités. Amen. Ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Vous savez, comme je parle là, c'est pour ça que l'église doit apprendre à prier pour ses conducteurs. Amen. Nous aurons beaucoup d'attaques, beaucoup de combats. Amen. Ils n'aiment pas qu'on parle des choses qu'on parle. Ils vont s'élever pour nous combattre, pour nous attaquer. Il faut apprendre à prier, à soutenir les pasteurs aussi. Amen. On prie pour vous, vous aussi priez pour nous. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nous serons une force spirituelle. Amen. Ils nous attaquent, priez pour nos familles, nos enfants, ainsi de suite. Amen. Ils nous combattent parce qu'ils veulent qu'on se... Donc, dès que tu commences à parler de ça, ils peuvent attaquer ta famille, on te déstabilise. Moral, le moral baisse, et puis moralement tu baisses, tu n'as plus la force. Je dis, bon, ça sert à rien de parler ça. L'histoire des démons, là, c'est un titre de combat. Non, il faut en parler. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, vigilance. Ouvre tes yeux. La sorcellerie, bien aimée, est l'art de la domination et du contrôle des gens. Le peuple comprenne la sorcellerie selon leur culture. Pour les blancs, on fait même des blagues, on dit la sorcellerie, c'est une femme sur un balai. Et vous allez voir, pendant la période d'Halloween, vous envoyez la femme en question sur les balais. Vous prenez les films d'Harry Potter, vous regardez les films, et j'ai regardé ça une fois. Et puis les autres séries, c'est pratiquement la même chose. Je ne sais pas si c'est ça. Mais on peut voir que ce sont des signes véritables de la sorcellerie, de la machine, des signes authentiques. Vous voyez même des symboles occultes. Et le soir, on va vous les projeter lorsqu'on va en parler. Vous voyez des symboles. Parce que dans la sorcellerie, il y a même la notion du symbolisme, il y a les symboles. On peut faire des symboles, mais sur les signes. On vous livre, on vous piège, mais vous, dès que vous êtes ignorant, vous ne savez rien, vous croyez à tout, vous acceptez tout, vous avalez tout. La parole de Dieu nous appelle à la vigilance spirituelle. Amen. Je ne vis plus par les sentiments. Amen. La sorcellerie des blancs ici, vous voyez comment on en parle. Où on voit des femmes sur des balais. Et à l'école, même les gens qui vont dans des écoles, ou bien nos enfants qui vont à l'école, qu'est-ce qu'on enseigne dans nos enfants? Demain, mon fils devait aller à l'école, c'était Halloween, et puis on a vérifié, ils avaient écrit, c'était quoi? Bouillon de. C'était bouillon de la sorcière. Et cette bouillon de la sorcière en question, c'était avec des trucs comme des yeux, comme des oreilles. En forme de ça, et puis on va commencer à donner à vos enfants. On est en train d'initier vos enfants proprement. Amen. Maintenant, les noirs, excusez-moi, c'est pas un problème avec la peau, mais c'est les noirs. Lui, mais dans sa sorcellerie, il ne fonctionne pas comme ça. Lui, il est plus brutal encore. Mais les blancs vous amènent la sorcellerie sur un plateau avec des assiettes et des couverts. Mais les noirs, ils viennent par la méchanceté totale. Amen. On te donne un morceau de viande comme ça, bah, tu as la sorcellerie. Mais les blancs viennent proprement, ils viennent, ils te demandent légalement la sorcellerie. Tu veux que ton enfant soit sorcier? Toi, tu signes, tu dis oui. Maintenant, ils vont manger le truc de sorcière, tu veux bien? Oui. L'enfant va participer à l'Halloween, simplement, calmement, tout bonnement. Maintenant, quand l'enfant sera opérationnel, c'est pas peut-être qu'il va pas peut-être opérer comme la sorcellerie africaine, mais il va commencer à opérer. Tu vas constater ton enfant dégradé mentalement. Amen. Tu vas constater ton enfant devenir un bandit, un brigand, têtu, turbulent, exagéré. Amen. Tu vas voir les activités sorcelleriques dans ton enfant. Tu te poses la question, est-ce le même enfant que j'avais? Et si tu es vraiment conscient ou consciente, tu vas te dire, ce n'est pas mon fils. Moi, le mien n'était pas comme ça. Mais l'école est en train de travailler pour détruire nos enfants. Amen. Et si on n'en parle pas, plusieurs parents perdent leurs enfants. Amen. J'arrive quelque part dans un pays en Europe, je ne préfère pas donner exactement les pays. Mais je parlais avec une fille qui a attrapé la sorcellerie par une Espagnole. Et c'est l'Espagnole qui l'a ensorcelé. Vous pensez que la sorcellerie, c'est seulement avec des black people. Cet Espagnol avait ensorcelé la fille par les bonbons à l'école. Mmh. Et bien, la fille a ensorcelé 8 enfants dans les quartiers. Mmh. Mais là, elle m'a donné les noms de tous les enfants de leurs parents. J'ai les dossiers.
si j'ai dit, ça va créer des dégâts ici. Je suis allé voir un homme de Dieu, je lui ai dit, écoute, telle famille, les enfants sont gâchés. Je suis allé voir la maman de l'enfant qui a gâché les autres enfants. Je lui ai dit, ta fille, ce que tu as à la maison, a gâché les enfants. Elle a détruit déjà les enfants. Elle a ensemencé, elle a semé dans la vie des autres enfants. Et même tes deux enfants que tu as ici, sont aussi dans la chose. Vous savez, des fois, on dit des choses aux gens, mais les gens négligent la chose. Et la femme, elle avait banalisé. Elle. Vous savez, celui qui veut la délivrance, bouge chez le pasteur. Amen. Le pasteur, moi, je ne veux pas rester comme ça. Amen. Je suis fatigué de cette situation. Amen. Aidez-moi, s'il vous plaît. Priez avec moi. Il faut être violent. Amen. Il faut être violent. Amen. Le pasteur, comment? Ma délivrance, pasteur. Il faut la chercher. En grandissant dans la foi chrétienne, je prêchais les gens. Mais quand j'ai constaté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma marche chrétienne, et que spirituellement, chaque nuit, je faisais le même type de rêve bizarre. J'avais parlé à ma mère à l'époque, je suis en 93. Et je suis allé voir des aînés dans la foi de l'église de la Bande, ils ont prié pour moi. On a commencé à faire la délivrance. Amen. Et ces jours-là, j'avais senti des choses bizarres, bien-aimés. C'est vrai que j'avais compris, j'avais des liens. C'est toi qui ça a commencé. Tu as envie de vomir. Tu penses que ça a commencé avec toi? Mais j'ai le même type d'envie. Et c'était terrible ces jours-là. Mais les diables nous contrôlent de plusieurs façons. Nous venons tous des familles où il y a des forces de ténèbres qui sont à saisir les coutumes, la tradition et qui imposent leurs choses afin de nous contrôler. On est systématiquement contrôlé. Même si vous allez en Europe, en étranger, en Australie, vous êtes toujours contrôlé à cause des pratiques familiales. Amen. Si toi tu te maries, ta dot sera mangée par telle personne, c'est comme ça dans notre famille. Donc tu peux partir. Mais à cause de ces liens familiales, la filiation et de la tradition pratiquée, ta dot sera toujours envoyée. On a peur de manger ça. On doit envoyer ça à la personne qu'il faut. Et cette personne, dès qu'elle reçoit la dot, la famille est en train de vivre sous le contrôle. Mais là, les ancêtres, là où ils sont, ils savent que telle personne a pris la dot. Or, vous savez, lorsqu'on parle la plupart du temps des ancêtres, c'est des choses démoniaques. Remarquez dans plusieurs familles, je vois des femmes qui se marient, d'autres qui retournent à la maison, qui divorcent, des échecs. Ou bien on se marie, mais le mariage des faux mariages en fait. Amen. Et on pense contrôler le mariage en faisant n'importe quoi. Il y a des femmes qui pratiquent la sorcellerie sans pourtant le savoir. C'est par rapport à l'expérience et par rapport aux entretiens au ministère. Si d'autres personnes pouvaient savoir ce qu'ils ont mangé dans leur vie. Dans la même maison, dans ta propre maison, mais ce que tu as mangé. Si on t'envoyait au mariage et ta maman, ta famille t'a donné des choses, des poussières, j'ai moins de l'huile, des choses travaillées pour que tu mettes sur la nourriture de ton mari, mais c'est la sorcellerie. Arrête de faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui, c'est rien. Vous faites des choses alors que vous avez déjà travaillé la nourriture. Satanique. Lui aussi vient, il bouffe sans prier. Envoûté. Et comment voulez-vous percer dans la vie si ça tout, même la nourriture, l'eau que tu bois, tout est contrôlé. Et puis encore, quand vous allez dans votre intimité, c'est à sacrifier. Elle est dans tout travail elle-même. Et c'est ce qu'elle fait. Et croyez-moi qu'il n'y a pas de vie. C'est pour ça que vous voyez des gens, ils vivent ensemble, mais les diables tout contrôlé. Et toi, femme, tu vas croire que tu contrôles ton mari, mais tu ne le contrôles pas. C'est pour un temps que les diables te donnent ses plaisirs. Et moi, quand je dis à mon mari, viens, il vient. Il arrête que le travail. Tu penses que tu as le pouvoir. Tu as l'envoûtement. Et même quand je suis, arrête, il arrête. Pour moi, il va arrêter. Dès qu'il finit à 16h30, à 17h6, il a fait 30 minutes de COVID. Et je pense que tu le contrôles. Contrôle dans la prière. Contrôle dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu. Et non pas la sorcellerie. La sorcellerie est en train de contrôler plusieurs personnes.
Vous pensez épouser une bonne personne, mais vous épousez une sorcière, un sorcier. Un mari sorcier, mais beau. Un mari sorcier, mais intelligent, comme on vient de me dire. Et qui croit qu'il se coiffe très bien avec des lignes, vous voyez les dessins sur la tête. Vous pensez que c'est ça qui rend le mari beau? Non! Spirituellement, il a des antennes, il a des forces de ténèbres qui le contrôlent. On a beaucoup de gens qui ont gâché leur vie parce qu'ils ont négligé une chose, le mariage. On peut se marier sans pour autant prier. Ah, il m'a dit qu'il m'a dit tellement beau. Et puis, est-ce qu'on se marie parce qu'il est bon ou bien parce qu'il est vraiment un chrétien? De nos jours, on ne tient plus compte de ces éléments. On veut imposer au pasteur de marier les gens qui ne prient pas et qui prient. Pourtant, la Bible nous dit autre chose. Et lorsqu'on veut appliquer la parole de Dieu, ça pose un problème. De nos jours, on veut que le pasteur bénisse le mariage des païens. Et si tu ne le fais pas, mais pasteur, on va quitter l'église. Mais quitter l'église. Amen. Et maintenant, pour d'autres églises, pour les stratégies et pour avoir plus de membres, parce que le pasteur vise le membre au lieu de viser la qualité. On veut avoir le millier de membres pour qu'on dise, oh, c'est un grand pasteur. Il est grand parce qu'il tue les âmes de Dieu, ou bien il est grand parce qu'il fait l'œuvre de Dieu. La grandeur d'un pasteur n'est pas par rapport au nombre de fidèles qu'il a dans l'église, c'est par rapport à l'intégrité, la vérité, la crainte de l'Éternel qu'il a pu dans sa vie. On n'est pas grand parce qu'on a une grande église, on peut avoir une grande église, mais peu de gens qui iront au ciel. Parce qu'on ne prêche pas la bonne parole de Dieu. On n'est pas sévère dans les choses de Dieu. On encourage l'impunité et les péchés. Et même, des fois, les mêmes pasteurs sont déjà punis. Amen. Tout le temps avec des compliments pour les saints, c'est bien habillé. Un pasteur doit avoir des disciplines. Un pasteur ne peut pas se comporter comme tout le monde. Amen. Vous allez voir les pasteurs envoûtés jusqu'à la mort des pignards. Contrôlés par les ténèbres. Lui-même, il n'aime pas prier. Prier pour lui, c'est un dérangement. Et lorsqu'ils entendent les gens parler de Dieu, ben, les petits, là, ils exagèrent. On n'exagère pas. On prêche la bonne parole de Dieu. Et nous allons continuer à la prêcher comme ça. Critiquer. Il y a des gens qui perdent le temps. Sur comment m'équilibrer, sur les sites par-ci par-là. Ils écrivent des bonnes paroles. Fétichés. Vous pensez que moi je vais me rabaisser au niveau des gens qui se transforment en cancrelin, en chien, en chat, alors que Dieu m'a créé un être humain à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je descends au niveau des animaux. Quelle bassesse! Je ne peux pas descendre, je ne peux pas devenir sorcier. J'ai plus que la sorcellerie. J'ai l'homme de Galilée. J'ai Jésus de Nazareth qui me donne le pouvoir. Si la sorcellerie, si Satan et ses démons, je les chasserai tant que j'ai le souffle de vie. N'ayez pas peur des démons, bien-aimés. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. La sorcellerie est sous nos pieds. Les démons sont sous nos pieds. Nous dominerons au milieu des sorciers. Je peux manger avec un sorcier dans la même table. Il ne va pas me contrôler. Si je suis en relation avec Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, celui qui gagne dans ma vie, qui apporte les solutions à mes problèmes. Corabassat. Les noirs, vous voyez sa sorcellerie par des rituels. Des danses avec des raffias. Des danses de sacrifices. Des cérémonies traditionnelles. Vous venez des cimetières, on vous dit lavez vos mains. Tu as, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu as touché en chemin? Oh non, c'est toujours la tradition. Quelle tradition? Qui a imposé ça? Il est où? On se lave les mains, pourquoi? On nous impose des choses et nous vivons ces choses. Et lorsqu'on vient dans les églises, et vous allez voir, si tu as, j'ai dit à tous les comédiens, si tu as besoin de sortir quelqu'un d'une église, sors la personne d'une église, n'attaque pas les pasteurs. Un véritable serviteur de Dieu ne peut pas attaquer notre serviteur de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu véritable, né de nouveau, qui a Jésus-Christ, parce que nous travaillons dans la même armée. Amen. Jésus-Christ est en train de dire dans Matthieu chapitre 12, il dit ceci, le roi, on dit, qui chasse les démons par Belzébul. Il dit, si je chasse les démons par les Belzébul, c'est que le roi des ténèbres est divisé. Or, Satan n'est pas divisé. En d'autres termes, si les démons sont organisés, sont bien organisés, ils travaillent très bien. Amen. À combien plus forte raison, tous les ceux qui servent le Seigneur, nous sommes obligés de travailler dans l'unité. Amen.
Mais nous n'arrivons pas à travailler dans l'unité parce que la sorcellerie est dans notre milieu des enfants de Dieu. Amen. Dites amen fort pour encourager. La vérité est pour passer. Au nom de Jésus. Là, il y a des sorciers dans le milieu des hommes de Dieu. Partout où ils sont, en Afrique, en Europe, au Canada, partout, il y a des sorciers. Vous voyez, tout le monde prie. C'est que je suis en train de dire, il y a des gens qui ne vont pas aimer ça, je m'en fiche. Moi, je prêche la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, je n'ai pas peur. Amen. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ça parce que ils sont dans les péchés, ils sont dans les ténèbres. C'est la vérité. Vous ne voulez pas qu'on prêche la parole de Dieu. Le compris, on commence à prêcher. C'est sûr, on exagère, on prêche la parole de Dieu. La Bible dit, vous Actes des Apôtres, chapitre 8, chapitre 10, verset 38. Lisez avec moi. Vous savez combien Dieu a oué du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons, purifiant les lépreux, j'ajouterai, ressuscitant les morts, car Dieu était avec lui. Et Jean 3, verset 8, qu'est-ce que la Bible dit? Le Fils de Dieu apparut à faire quoi? D'encourager les œuvres du diable, de construire les œuvres du diable, de dorloter les œuvres du diable, de caresser Satan sur les dos. Il a parlé afin de faire quoi? Détruire les œuvres du diable dans ta famille. Détruire les mêmes si on ne te comprend pas. Toi, lève-toi le matin. Détruire les œuvres du diable. Lève-toi la nuit. Détruire la sorcellerie. Lève-toi à midi lorsqu'ils veulent opérer. Détruire, tu dis, chez moi, vous n'allez pas atterrir. Ma maison n'est pas un aéroport de sorciers. Ma maison, ce n'est pas l'adresse des démons. Je vais les détruire le matin. Je vais les détruire le soir. Ils auront soin dans ma famille. Je vais les détruire par le feu. Que le feu tombe à gauche, à droite. C'est tout ce qui attaque ma vie. Que le feu tombe dans leur vie. Au nom de Jésus. Quand tu les fais comme ça, ils sentent. Et pendant qu'ils sont en train de les dire, ils sentent aussi. Ils auront foi car dans ma santé. Ils auront foi ma soeur. La semaine de la salaire dans la présence de Dieu. Il faut que les démons qui rongent ta vie libèrent. Bâtis qu'un mariage, qu'il libère ta vie, qu'il libère ton mariage, qu'il libère ta santé. Nous ne sommes pas venus plaquer, nous sommes venus parler aux esprits qui tracassent nos vies, qui nous tourmentent, qui libèrent nos mariages, nos enfants, nos destinées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils doivent libérer ta vie. Qui a dit que tu es venu dans le monde pour que tu meures à 40 ans, 45 ans, 50 ans? Qui a dit ça? De notre famille, les gens, lorsqu'on arrive à 50, on commence à paniquer parce que c'est difficile d'arriver à 50. Avec Dieu, tu vas arriver à 56 ans, 58 ans, 60 ans. Tu peux même arriver à 80 ans si tu es fidèle et intègre à Dieu. Les sorciers n'ont plus le droit de te tuer. Je ne mourrai pas, je vivrai. Si les sorciers t'attaquent, il faut commencer à dire ces gens de face, tu te réveilles. Moi, Thierry, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel, que celles qui me combattent tombent sous le pouvoir de mon Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je témoignerai que mon Jésus est vivant. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je témoignerai que ce sera un Dieu véritable. Les dieux d'Élysée, les dieux d'Élie, qui appellent à l'existence des choses qui n'existent pas. Je suis en train de dire que je ne mourrai pas, je vivrai. S'ils avaient pris de pièces contre ta famille, tes enfants, qu'ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Qu'ils tombent eux-mêmes dans leur piège. Au nom de Jésus-Christ. Les sorciers n'aiment pas ce qu'on dit. Dès Corinthiens 15, 11, verset 15. Est-ce qu'on peut nous balancer ça comme rapidement? On joue ici, là-bas. Dès Corinthiens 11, 15. Je vais parler du déguisement. Ou la dissimulation. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez? Il y a même parmi nous les serviteurs de Dieu des gens qui ne sont pas corrects. Je parle dans le monde entier. Quand vous voyez un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui montre des photos comme si il voulait séduire les gens. Et comme maintenant tout le monde a Facebook. Mais ce sont les œuvres du diable. Montrez aux gens comment vous êtes en maillot.
Et là, vous touchez les cœurs. Et vous prenez la photo, vous mettez sur Facebook. Dites, vous êtes serviteur de Dieu. Mets-toi à la place de Jésus. Si Jésus était là, il allait faire comme toi. Tout ce que vous faites, posez-vous la question. Si Christ était là, est-ce qu'il allait faire comme vous? Si vous vous dites que Christ ne pouvait pas faire ça, vous êtes païen. Convertissez-vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous êtes en Bermuda, en culotte là, en t-shirt. C'est là que vous affichez maintenant la culotte sur Facebook que les gens voient. Saine. Oh, oui, j'aime. Oui, j'aime. Même vous, les sœurs, vous aimez quoi? Nous devons espérer la crainte de l'Éternel. Vous avez vu dans la Bible un sacrificateur? Où est-ce qu'on a déjà vu l'unité ou bien la partie dans le nom de Dieu? Dans la Bible. Les hommes de la Bible, même les pharisiens qui vous critiquaient là. Mais ils craignaient Dieu à un niveau très élevé. À part qu'ils sont tombés dans la religion. Des fois, lorsqu'ils croisaient même une femme, ils pouvaient se tourner le visage, même se cogner contre l'ennemi comme ça, deux, trois fois. Vous avez dit, pourquoi est-ce que j'ai croisé une femme? Parce qu'ils évitaient les péchés sur tout le plan. Amen. Mais dans les jours, on vit plus. Vous allez voir même des hommes, vous me voyez moi passer avec Thierry, dire j'aime. C'est des photos d'une femme, d'une sœur en crise. Des photos sales, moi, écrit j'aime. J'ai du mal à les faire, je ne peux pas les faire, impossible. Amen. Vous aimez quoi? Il y a d'autres photos, vous dites vous aimez quoi? Posez-vous la question vous-même. C'est là la seule. Facebook, c'est aussi un élément qui distrait beaucoup de gens. Amen. Et l'œuvre du diable est derrière cette activité. Amen. On est utilisé ça pour l'évangélisation, pour nous les chrétiens. Vous utilisez ça maintenant pour la sélection. Vous mettez. Je vois dire. Je me pose beaucoup de questions. Si on est dans un monde pervers, on est vraiment. Il y a d'autres personnes. J'ai remis la chrétienté de plusieurs personnes en cause. Quand je regarde, je dis ça, c'est un chrétien, ça. Ça, c'est pas un chrétien. Ça, c'est une chrétienne, ça, c'est une païenne. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on les on garde les relations sur Facebook, on est des amis. On n'est pas des amis. Non, tu n'es pas des amis. Parce que ta chrétienté, il laisse à désirer. Vous voulez, au lieu qu'on vous prenne une photo normale, vous vous donnez les dos pour qu'on vous prenne les photos de dos, vous faites des positions bizarres, vous faites des choses bizarres, et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Mais le diable est en train de vous inviter. Le mari ne va pas vous suivre parce que vous donnez les dos. Le mari ne va pas suivre parce que vous vous déshabillez sur Facebook. Le mari ne viendra pas comme ça. Même un mari qui viendra comme ça, c'est un homme en foutre. Qui c'est sûr, il va te lâcher quelque part parce qu'il verra une autre fille peut-être mieux que toi. Amen. Donne-toi la valeur dans ton corps. Amen. Que le diable n'en foutre pas ton esprit. Mets la valeur de ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Le diable travaille de plusieurs façons. Il contrôle les gens. La dissimulation, c'est faire passer pour. Ils aiment se faire passer pour de bonnes personnes. La sorcellerie marche avec l'hypocrisie. Les sorciers sont des hypocrites de haut niveau. Un sorcier peut opérer avec vous, auprès de vous, mais il ne va jamais vous le dire. Des hypocrites de haut niveau. Il ne panique pas, même si tu le vois en rêve. La journée va faire comme ça va. Mais c'est un sorcier, une sorcière. Ils n'ont plus la honte. Ils ont enlevé la honte. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Croyez-moi et observez. Amen. Si tu finis cette semaine, tu vas comprendre beaucoup de gens. Amen. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Et si tu vois quelqu'un te dire que je ne suis pas ce genre de prédication, et bien lui-même, c'est... ils seront démasqués, neutralisés. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont toujours la face cassée, les sorciers. Ils aiment se faire passer pour des innocents. C'est ça l'activité des sorciers. Ils se déguisent, ils aiment se faire passer pour des innocents, des bonnes personnes. Ils viennent à nous-mêmes maintenant en cravate, en costume, en robe de mariée, nous les bénissons. Ils viennent à nous avec des dîmes, des offrandes, avec des dons à l'église, ils soutiennent l'église. Lorsqu'on cherche des gens qui vont donner 500 dollars, et ils donnent. Avec une rapidité impossible. Mais l'objectif, c'est d'en foutre parce que c'est de l'argent travaillé. Amen. Et toi, homme de Dieu, quand tu prends cette somme d'argent dans la caisse de l'église, priez d'abord pour cet argent. Amen. C'est pour ça que quand tu donnes la dîme, tu donnes l'offrande à l'église. Quand je prends les enveloppes, quand je fais mes prières à la maison, je suis en train de prier pour ça. Amen. Nous, je veux pas faire ça. Amen. Nous prions pour ça. Je ne veux pas que tu viennes m'envoûter avec ton argent. Amen.
que tu viennes envoûter l'église. L'église, au lieu de percer, l'église commence à décader parce qu'il y a quelqu'un qui a donné de l'argent. Envoûter, travaille la nuit. Alléluia. Mais là, des églises qui sont devenues prospères financièrement, qui ont beaucoup de choses, ne veulent pas comprendre ces choses. Lorsqu'on leur dit, mais lorsqu'ils vous entendent dire, ils disent, ces gens-là, ils se recherchent pour grandir un peu, mais nous, on est déjà arrivés. Non, vous n'êtes pas arrivés. Personne n'est arrivé. Nous sommes tous au service du Seigneur. Nous devons servir Dieu dans le même cercle que nous avions au début de la foi. Il ne faut pas qu'en grandissant, qu'on commence à se refroidir. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit, un homme de Dieu vous dit à un membre de votre église, votre pasteur n'est pas sérieux, ou bien votre pasteur, ces gens des messages qui prêchent là, moi je trouve qu'il est à côté. Il est à côté par rapport à prends ta Bible, amène ta Bible, qu'on parle de la Bible. On va voir si tu maîtrises ta parole. Il y a des gens qui ne peuvent même pas s'asseoir là qu'on discute de la parole de Dieu. Ils vont comprendre qu'ils ont affaire à des gens qui ont avalé les rouleaux. Je vous assure, bien-aimé. On a avalé les rouleaux, on a la parole, bien-aimé. Nous avons avalé les rouleaux pour servir Dieu dans l'intégrité. Non, on n'en parle pas. Ils pensent que là-bas, dans vos églises, on prêche pas d'autres messages. Qui t'a dit? Donne là où on va prêcher. Donne Abidias, on va prêcher. Peut-être que tu n'as pas prêché encore. Sophonie, on va presser. Apocalypse, on presse Ézéchiel. Toute la Bible, on presse dans la totalité. Tu peux, on peut même aller verset par verset pour parler de ça. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça pour vous dire, si on parle de ces choses, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de message. C'est parce qu'on ne veut pas que toi tu échoues dans ta vie. Amen. C'est parce qu'on ne veut pas que tu rates ta vie. Amen. Parce qu'il y a des gens qui meurent à cause de l'ignorance. Amen. Un homme de Dieu a reçu un enfant. Je vais te donner le dernier exemple. Il a reçu un enfant. L'enfant était abandonné. Il prend un enfant avec beaucoup d'amour, il met chez lui. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Soutenir les pauvres, les délaissés, les abandonnés, c'est une mauvaise chose? Non. C'est pas dans la Bible? Oui. C'est pas dans la Bible? Amen. C'est dans la Bible, non? Oui. Mais quand tu appliques une pensée que Dieu a recommandée, cela veut dire que tu ne dois plus prier? Non. Une bonne action, on a mis l'enfant à la maison. L'enfant grandissait parmi les enfants de l'homme, de Dieu. Mais l'enfant était dans la sorcellerie, personne ne savait. Vous êtes là? Une bonne action qui va détruire toute la famille. L'enfant grandissait dans la famille. À un temps, dispute homme et femme, incompréhension. L'homme se comporte bizarrement. C'est le jour de la colère que l'enfant spirituellement va voler les sous-vêtements. L'homme commence des maladies, des dégradations dans la santé, des maladies. Et puis l'homme finit par mourir. C'est maintenant dans les pleurs que l'enfant va sortir. J'ai pensé qu'il allait mourir. Je ne pensais pas en sorcière. C'est moi, j'ai fait ça. Et le monsieur est parti, on l'a enterré. Vous êtes là? Les sorciers peuvent venir dans votre maison, ils vous troublent. Ils vous font cogner les têtes. Si vous voyez quelqu'un quelque part qui fait en sorte que les gens se cognent les têtes, faites attention avec ce genre de personnes. C'est de la sorcellerie, parce que c'est l'art de la manipulation. Les sorciers vont tout faire pour qu'on l'aime lui. Ils aiment qu'on les aime, qu'on les regarde comme si c'est... La sorcellerie, c'est l'art de distraire quelqu'un. Manipuler quelqu'un, déconnecter de la réalité. On va te donner une image qu'on projette, mais c'est pas ça cette image, c'est pas ça la réalité. Celui qui comprend les choses, il devient vigilant, il observe, il discerne, il ne fait plus les choses par sentiment. Parce que la sorcellerie travaille de plusieurs façons pour nous contrôler. Qu'on est tous chez toi, personne qui fasse passer son fils par ou sa fille par le feu. Est-ce que de nos jours, on peut encore faire le feu? Où tu vas faire les faits ici au Canada, ou bien en Europe, partout on est. Tu ne peux pas les faire, n'est-ce pas? Mais il peut y avoir d'autres pratiques, n'est-ce pas? Parce que vous êtes là. On peut changer la même chose, mais par d'autres pratiques. Il faut savoir ceci, que le monde des ténèbres a tellement évolué, et le monde des ténèbres contrôle les enfants par les dessins animés, par les électroniques, contrôle les parents par des films, par des publicités, par la musique, l'industrie de ces choses-là. Travaille puissamment pour nous contrôler, nous tous. Amen. J'aimerais voir le soir lorsqu'on va projeter, qu'on projette l'image d'un musicien. Le jeu a amené ça, qu'on projette l'image d'un musicien. Comment vous allez voir des choses terribles. Un musicien congolais qui fait des images
avec un serpent lui-même déguisé bizarrement. Et puis l'album vous sera acheté par les gens. Entre nous. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voyez vous-même qu'on vous détruit, mais vous aimez ça. On chante Satan, les gens aiment ça. On glorifie Satan, les gens aiment ça. Bien-aimé, n'est baptisé pas avec les diables par ignorance. Amen. Alléluia. Amen. Je ne serai pas long, donnez-moi juste 5 minutes pour finir. Les sorciers qui t'ont étranglé là, la nuit, ne te le dira pas, mais il fera tout pour te pousser à lui donner l'information. De ta nuit. Ah, comment est-ce que tu as passé la nuit? Ça va. Ah, moi aussi j'ai prié vraiment. Oh, tu priais où? Toi, tu priais. Il revient toujours sur les lieux du crime. Comme les voleurs, les assassins. Ils ont tué, ils reviennent comme des passants. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais pourtant, c'est lui l'auteur. Si les gens comme ça revenaient dans ta vie pour prendre les informations sur toi, alors ce sont eux qui t'attaquent. Je libère les feux sur eux. Même si cela ne va pas se faire demain, même dans 10 ans, 5 ans, que ces feux restent suspendus quelque part pour tomber sur les ennemis de ta famille. Je libère cela prophétiquement par l'autorité apostolique qui est sur moi en tant que serviteur de Dieu. Que les feux restent sur toi, sur celui qui va attaquer tes enfants, ta famille, qui viendra te poser des questions. Que le feu tombe sur lui. J'ai dit le feu de l'éternel tombe sur lui pour neutraliser ses activités dans le nom de Jésus. Tout ce qui trouble ta vie, qu'il soit même troublé par le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui dérange ta famille. Tu viens à l'église, tu vois comment ici tu as la délivrance. Ici tu changes ta vie. On te dit là-bas, vous priez beaucoup. Il faut quand même écouter la parole. Nous enseignons la parole, ça c'est quoi? La parole. C'est moi qui ai écrit de ton nom? Non. De ton nom, Dieu. Ça va? De ton nom, 19 verset 11. C'est moi l'auteur. Donc, je suis pas Moïse. Il dit dans son terme, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou dit d'abord l'aventure, personne qui interroge les morts. Je parle à quelqu'un qui est allé consulter un monsieur ici. La personne a donné de l'argent à cette personne. Des fois, on vous dit, venez donner le dîme à l'église, venez donner les offrandes, s'aimer à l'église, vous refusez. Oh, mais je voulais connaître un peu l'avenir, je suis allé les voir. La personne arrive, donne son argent. Depuis que la personne a donné cet argent. Dès que vous commencez à prier pour la personne, c'est parti. Le monsieur l'avait maudit. Parce qu'avant de se séparer avec la personne, le praticien en question, l'astrologue, tout ça, la fille n'avait pas respecté l'exigence que le monsieur avait donnée. Alors ils se sont échangés à permettre de les séparer. Vous allez même vous échanger avec les féticheurs. Vous pensez que vous allez réussir vos coups à l'église et même à l'extérieur de l'église. Les autres là, ils sont méchants, ils libèrent la malédiction chez vous. Et directement, depuis là, la sœur là a des problèmes spirituels terribles. Mais depuis que nous avons commencé à prier, nous brisons cela par la prière et ça se neutralise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton argent part dans la sorcellerie. On te fait des cadeaux d'argent, prie d'abord pour ça. On te donne 1 000 $, 500 $, 100 $. Tu ne sais pas pourquoi on t'a donné l'argent. Toi, tu crois que c'est par l'amour. Oui, c'est par l'amour, oui, exprimé visiblement, mais spirituellement, je ne sais pas. J'ai pris d'abord, Seigneur, je vais donner cet argent. Je ne sais pas l'intention, Seigneur, mais je prends cet argent, je l'utilise pour des fins dignes. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de malheur, puissance de ténèbres, derrière cet argent, je le neutralise au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je mange cet argent. Maintenant, toi, viens m'attaquer. Moi, je vais te prier. Si tu viens réclamer l'argent, Dieu va parler de mon côté. Il va dire, mon fils m'avait déjà consulté avant d'utiliser cet argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on t'attaque la nuit, tu ne vas pas périr. Amen. Si tu attaques la journée, ils ne vont pas t'avoir. S'ils voulaient opérer dans ta maison, ils ne vont pas opérer. Parce qu'avec Dieu, nous sommes capables de contrôler la sphère spirituelle, de contrôler le monde des ténèbres et de paralyser toute activité sorcellerique. Je déclare aujourd'hui que tous les sorciers qui t'attaquent matin, midi, soir, qu'ils soient exposés au feu de Dieu. Et que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu discernes, que tu comprennes tous ceux qui combattent et qui détruisent ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que leurs
activités soient exposées dans ta vie, soient létalisées, soient révélées au nom puissant de Jésus de Nazareth. On va continuer les soins. J'aimerais dire à quelqu'un, ne vis plus par les sentiments. Amen. Les messages que nous donnons, ce n'est pas les messages de la haine, c'est la vigilance. Amen. Il y a maintenant des gens qui veulent. Ils disent, oui, les messages que vous prêchez, c'est les messages de la haine. Si vous entendez un homme de Dieu dire des choses comme ça, c'est juste il a une petite jalousie dans le cœur, c'est tout. Amen. C'est juste la jalousie. Moi, je comprends, c'est la jalousie. Je lui comprends. Mais il faut qu'il ose le dire en face. Il aura des arguments bibliques qui vont les neutraliser dans ce qu'il dit. Je dis, il faut même neutraliser. Parce que des fois, on dit des choses. En fait, écoutez, l'Église a le rôle de détruire les armes du diable. Il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur vie. Non parce que Dieu ne les a pas aimés, mais parce que ceux-là qui sont censés les conduire quelque part, les laissent comme ça. Ils ne font rien. Ils mangent du 1er janvier au 31 décembre. Ils voulaient que les gens aillent de l'avant. Lève-toi, ma soeur, mon frère, on va prier. On va déclarer quelques paroles. Dis à ton voisin, on continue le soir. On continue le soir. Alléluia. Amen. On va continuer le soir, on ira dans plus de détails. Que la puissance de Dieu change ta vie. Que Dieu te réveille spirituellement. Qui te révèle des choses cachées. Qui t'aide à comprendre, à discerner, à diriger ta vie dans la prière, dans la sagesse, dans la prudence. Au nom de Jésus. Que les ténèbres se dissipent autour de toi. Que Dieu combatte tous ceux qui combattent ta vie. Tous ceux qui s'opposent à ta famille. Qui s'opposent à ta destinée. Je détruis leurs activités. Au nom de Jésus Christ. Que la gloire et la grâce de Dieu te couvrent. Te protège, te sécurise. Au nom de Jésus. Je libère. Écoute-moi, je libère la protection de Dieu dans ta vie. Amen. Je libère le feu sur toi. Amen. Que ce feu-là détruise toute activité du diable autour de ta personne. Amen. Tout celui qui viendra pour te piéger, amen, pour voler des choses que Dieu a placées en toi. Amen. Que le feu quitte ta vie pour consumer ses activités. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Toute personne qui va attaquer ta femme, ton mari, tes enfants. Que ces activités soient exposées au feu de Dieu dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de déstabiliser l'arme lancée contre toi. Je les déclare nul et sans effet. Je protège ta vie, ta santé, ta destinée, ta famille, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel combatte pour toi et qu'il t'accorde la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous poussons des cris de joie, nous acclamons le roi des rois, que Dieu nous bénisse à bon moment. Mes ennemis créent ma tente. Seigneur, les jours sont mauvais, le diable, les démons et le monde me réclament. Ya telema.
bambonga bon moyo soe fandaki. Papa papa, o ki posa ya mitema. Yesu mi monisa. Le frère Nixon Mavinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'Éternel. Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger. Nasombate, Nazoa Zero, album Mon Berger. Disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko. Nixon Mavinga a célébré album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapi, Bobina la Mokondit. Album Mon Berger ya Koyo. Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger. Banzebo Kitoko, Banzebo Lorula Matea. En même temps, Ezo Binisa yo. En même temps, Ezo Teya yo. Boya Boye, Ezalate, Ezaninye. N'album Mon Berger, Satan Azui Zero. N'assombate, jamais.